470, titre, visuel, texte. Le titre, il nous indique clairement que nous allons devoir identifier le cœur, se servir d'une flèche et utiliser un chemin. Le visuel, une épée inclinée vers la gauche est plantée dans un rocher cassé à l'endroit où la lame pénètre. Ce rocher a une forme très arrondie sur la droite et se prolonge bizarrement sur la gauche. En fond, de hautes montagnes très pointues et enneigées, montagne jaune, ce n'est pas le massif central. Sur la droite, en vert foncé, un conifère stylisé. Dans l'axe du pommeau de l'épée, au-dessus, une échancrure dans la montagne. Et dans l'axe du pommeau de l'épée, vers la gauche, une lumière circulaire. Ce que l'on peut déterminer immédiatement et au premier regard sur ce visuel, c'est que sur la droite apparaît le sud-ouest de la France, la côte atlantique de la frontière espagnole, jusqu'au-dessus de la Gironde en fait. Le texte. Encore une charade, assez identique à celle de la 530. Du 1er au 11e, avec une seule phrase post-charade. Trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière. Donc, trouve mon tout, c'est que nous ne l'avons pas trouvé, et nous retrouvons l'ouverture, donc Bourges. De ce tout à trouver, et en passant par l'ouverture, nous verrons une lumière. Commençons le décryptage par la charade, parce que c'est en fait le plus simple. Le titre, à ce stade, ne peut rien nous apporter. La charade est très simple, au même titre que celle de la 530. Elle nous donne A, espace, Roncevaux. Cet espace est très important. Pourquoi ? Parce qu'il signifie que Roncevaux n'est qu'un passage, n'est pas le tout. Nous avions déjà identifié Roncevaux. Donc le fait de le retrouver dans la 470 n'est pas très étonnant. Par contre, il faut savoir quoi en faire pour obtenir ce fameux tout, cette flèche, cette lumière. Roncevaux. Roncevaux est célèbre pour tous les petits écoliers de France par la bataille de Roncevaux qui vit la mort de Roland, Roland de Roncevaux, le neveu de Charlemagne, qui souffla du corps et essaya de briser son épée Durandal contre un rocher. Bien, cette importance de ce qui s'est passé à Roncevaux, plus que le lieu lui-même, c'est l'indication supplémentaire, ça s'est passé en 778. Roland de Roncevaux meurt sous un conifère. Comme nous le dit la chanson de Roland, Roland sent que la mort l'entreprend, et dans la tête et le cœur lui descend, dessous un pin, il va courant. Roland, comte de la Marche de Bretagne. La légende raconte que le cœur de Roland a été inhumé près de Saint-Romain dans la citadelle de Blaye. La relation qui s'impose est celle-ci. Roland, mort de Roland, sépulture de Roland, cœur de Roland, Blaye. Voilà donc pour nous l'occurrence du cœur. Blaye se trouve sur l'estuaire de la Gironde et se trouve également dans le département de la Gironde. Cette double occurrence de la Gironde, associée au fait que nous arrivons de la 780 avec le nombre 33, nous indique que c'est dans ce département de la Gironde que nous devons trouver ce qui est recherché, à savoir le fameux tout d'où nous verrons la lumière. En poursuivant ce raisonnement jusqu'au bout, on peut considérer que c'est une alliance cœur-flèche qui nous confirmera le bon endroit exact. Donc pour résumer, le département de la Gironde, un cœur, une flèche. Le cœur de la Gironde, c'est facile. A priori, c'est la préfecture, la plus grande ville, Bordeaux. À ce moment-là, il nous faut nous référer au titre, puisque après avoir trouvé le cœur, il faut identifier la flèche. En étudiant la documentation sur Bordeaux, on trouve que cette ville possède la flèche gothique la plus haute du sud de la France, celle de la basilique Saint-Michel, 114 mètres de haut. Donc, si Bordeaux est le tout par l'ouverture, nous devrions voir une lumière. Mais avons-nous la bonne flèche ? Si c'est le cas, il devrait y avoir moyen d'en avoir confirmation. Si nous reprenons le titre, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Si notre flèche est la bonne et qu'elle vise le cœur, nous devrions obtenir quelque chose qui nous donne confirmation. Si de la flèche de Bordeaux, je vise le cœur de Roland, Blaye, cela m'amène au Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, avec au sommet de l'abbaye la statue de l'archange Saint-Michel, statue réalisée par le sculpteur Emmanuel Frémier.
Cet élément semble bien vouloir confirmer que la flèche est une bonne flèche. Mais qu'en est-il du cœur ? Le cœur de Roland, décédé à la bataille de Roncevaux, fut enterré, d'après la légende, à Blaye. Donc, le cœur de Roland vient de Roncevaux. Si c'est au départ de Roncevaux que nous visons ce cœur, voyons-nous quelque chose apparaître dans cette visée-là ? On a comme point remarquable l'abbaye de Fontevraud. C'est déjà un élément de confirmation important, puisqu'à l'abbaye de Fontevraud sont inhumés d'une part Aliénor d'Aquitaine, dont la capitale était Bordeaux, aux côtés de son fils Richard, cœur de Lyon. Mais ce n'est pas tout. En continuant de suivre la règle, l'autre point précis que l'on peut déterminer, c'est la petite ville de Mortagne-au-Perche. Mortagne-au-Perche, pas une ville excessivement connue, mais qui présente quand même une particularité, c'est une sculpture qui représente un percheron. La sculpture se nomme « La métamorphose de Neptune » et ce percheron surmonté de Neptune est dû à Emmanuel Frémier. Emmanuel Frémier au sommet du Mont-Saint-Michel, Emmanuel Frémier à Mortagne-au-Perche. Si je relis les deux sculptures d'Emmanuel Frémier, j'arrive à Chartres. Et à Chartres, nous trouvons un élément qui confirme que nous sommes sur le bon chemin, le monument à Jean Moulin avec son épée brisée. Alors, la solution. Le visuel représente une épée plantée dans un rocher, Excalibur, l'épée magique du roi Arthur dans les Chevaliers de la Table Ronde, où apparaît l'enchanteur Merlin. Cette épopée se passe en Bretagne, dont Roland de Roncevaux était le comte. L'apparition de la légende arthurienne évoque le premier livre en langue vulgaire, le roman, et non pas le latin. C'est d'ailleurs à cause de cela que l'on appelle un livre de fiction, de nos jours, un roman. La partie française de cette épopée de chevaliers de la table ronde, d'enchanteurs, de fées et d'épées magiques, a été écrite par Chrétien de Troyes, ainsi nommé parce qu'il est né à Troyes. Trouve mon tout et par l'ouverture, tu verras la lumière. Le tout est en Bordeaux, l'ouverture étant connue depuis la 530 Bourges. De Bordeaux par Bourges, nous devons logiquement voir la lumière. L'Aube, le département de l'Aube, concept avec lequel nous avons démarré le jeu comme occurrence de la lumière en 530. Et puisqu'il faut viser le cœur, de même que pour la Gironde, la préfecture était le cœur, pour l'Aube, la préfecture est également le cœur du département. Et la préfecture, c'est Troyes. Troyes, le triangle, la représentation graphique du prisme qui permet la diffraction de la lumière. Les chemins de traverse sont les éléments qui nous ont interpellés lors du décryptage et que nous n'avons pas véritablement utilisés. Ces éléments, une fois décryptés, nous donnent tout ce qui est nécessaire à la résolution totale de l'énigme en cours, ainsi que les outils qui seront nécessaires ultérieurement pour la résolution des énigmes futures. Reprenons le visuel où plusieurs choses n'ont pas été utilisées. Le contour du rocher nous fait reconnaître la côte atlantique de Saint-Jean-de-Luz à l'île de Ré, la partie droite du rocher. Mais comme nous l'avons signalé auparavant, la partie gauche du rocher a une forme quelque peu étonnante. Ce rocher dessine une courbe prolongée sur la gauche par deux bosses nettement visibles. Si j'imagine que cela puisse être une indication sur une région, il suffit de regarder attentivement le dessin rocher plus épée et de se le reporter sur une carte de France. Le dessin de la côte de la baie de Marseille avec son château d'If. On s'aperçoit que la pointe de l'épée se trouve dans la baie de Marseille, à peu près au niveau du château d'If, inclinée vers le nord-ouest et que cela donne un axe qui arrive dans le département de l'Aube. Et si on s'amusait à le tracer très précisément sur une carte, on arriverait à Troyes, donc confirmation de la solution précédemment trouvée. Toujours sur le visuel, cet ensemble pommeau de l'épée, échancrure triangulaire au sommet du pommeau et axe de la garde du pommeau vers cette lueur sur la gauche. Montagne jaune, ce ne sont donc pas les Pyrénées, ce sont plutôt les Alpes. La plus haute montagne de France, qui est également le plus haut sommet des Alpes, c'est le Mont Blanc. Si, à partir du Mont Blanc, on prend une règle et que l'on reproduit peu ou prou l'axe de la garde de l'épée
du visuel, on arrive à peu près au niveau de la lumière blanche sur Bordeaux. Et si l'on regarde encore plus précisément, on arrive sur Arcachon. Et Arcachon ressemble beaucoup à l'échancrure du visuel. En avons-nous terminé avec la 470 ? Non. N'oublions pas qu'en fin de l'énigme double 530-780, nous avons obtenu le mode d'emploi de la chasse, à savoir la nécessité d'emprunter, tels les deux enfants du Tour de France par deux enfants, les deux chemins, de façon à ce que chacun des chemins nous révèle ce qui est nécessaire pour résoudre la totalité de cette chasse. Par conséquent, nous allons devoir nous attaquer à étudier ce deuxième chemin, à savoir ce qui n'a pas été résolu jusqu'à présent dans cette énigme. Le titre, tout d'abord, ce n'est le bon chemin. Il pourrait donc y avoir de mauvais chemins. A priori, il faut faire un choix pour trouver ce bon chemin. Ce choix doit se faire par le fait qu'une flèche vise un cœur. Dans le texte, la charade donne à Roncevaux. Qu'est-ce qu'il y a à Roncevaux ? En quoi Roncevaux est-il un endroit célèbre ? Ouvrons tout et par l'ouverture tu verras la lumière. L'ouverture est-elle toujours la même, celle de la 530, à savoir la ville de Bourges? Mais qu'est-ce qui dans la ville de Bourges pourra nous indiquer ce qui doit nous aider? Tu verras la lumière. Donc en visant avec une flèche par Bourges, au départ de Roncevaux, nous devons voir une lumière. Reste également parmi les éléments acquis dans la 780, Saumur, les bords de Loire, qui n'ont pas été utilisés. La flèche du titre. Puisque nous savons que l'ouverture, c'est Bourges, on peut imaginer que la flèche soit une référence à Jeanne d'Arc. Ce qui nous renvoie au Bourges de la 530, c'est-à-dire au Bourges de Charles VII. Si c'est le cas, il nous faut identifier le cœur, puisque la flèche vise le cœur. Le cœur à Bourges, c'est le grand argentier de Charles VII, Jacques Cœur. Ce qui est remarquable à Bourges, c'est le palais de Jacques Cœur, qu'il n'a jamais habité. Les sculptures sont omniprésentes et présentent systématiquement l'alliance du cœur avec le Jacques, c'est-à-dire la coquille Saint-Jacques. Et qu'évoque le Jacques, le terme Jacques, et la coquille Saint-Jacques à l'époque de Charles VII, et bien évidemment les pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques de Compostelle. Le Camino Frances. Tous les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle en venant d'Europe se retrouvent obligatoirement sur un des quatre chemins de Compostelle qui partent de France. Via Turonensis par Tours, via Lemovivensis par Limoges, via Podiensis par le Puy et enfin la Via Tolosane par Toulouse. Trois de ces chemins, Turonensis, Lemovivensis et Podiensis, se regroupent au pied des Pyrénées et se transforment en un seul chemin, El Camino Frances, qui passe par le col de Roncevaux. Il y a donc trois chemins qui peuvent être potentiellement le bon chemin. Le titre nous dit « Tu ne seras sur le chemin qu'il faut emprunter que si une flèche vise un cœur ». Le cœur, c'est Bourges. Donc, le bon chemin est logiquement celui qui passe par Bourges, le Lemovivensis. En quoi ce chemin qui passe par Bourges doit-il nous révéler une lumière? Et qu'est-ce que la flèche? Quand on parle des chemins de Compostelle, on cite également souvent son point de départ, le début du chemin, l'endroit où se trouve le panneau, la flèche donne le fléchage, l'endroit donc où se trouve le panneau indicateur, Compostelle, c'est par là. Le chemin de Compostelle-Lemovivensis, qui passe par Limoges, part de Vézelay. Vézelay, la colline éternelle, avec à son sommet la basilique Sainte-Madeleine, départ du chemin de Compostelle-Lemovivensis. Cette basilique Sainte-Madeleine, restaurée par Viollet-le-Duc,
Et quelquefois, je l'ai trouvé dans une ancienne documentation, je crois en 1995-96, cette basilique est parfois appelée la lumière. La lumière. Et ceci pour la raison suivante, le chemin de lumière qui apparaît dans l'allée centrale face au cœur le jour du solstice d'été. Encore un point, peut-être non élucidé, c'est le rôle de la flèche. La flèche qui vise le cœur est dans le titre, elle est donc très importante. Certes, la flèche de Saint-Michel de Bordeaux nous a permis d'avancer dans le décryptage de l'énigme. Certes, la flèche indicatrice de Compostelle nous a indiqué que le chemin, le bon chemin, partait de Vézelay, mais la flèche, malgré tout, nous l'avons assimilée à Jeanne d'Arc pour nous renvoyer au roi de Bourges. Effectivement, après la 530, la 780 et la 470, où nous avons eu affaire donc à Bourges l'ouverture à l'époque de Charles VII, le fait d'employer la terminologie « flèche » dans le titre ne peut que nous alerter sur un éventuel rôle de Jeanne d'Arc. Reste également dans le coffre à outils Saumur. Saumur, rien de particulier, si ce n'est que Saumur est une ville au bord de Loire. Et à propos, un autre point, dans le visuel cette fois-ci, la forme du rocher. Forme du rocher qui reprend la baie de Marseille en allant vers l'ouest, mais qui bizarrement reprend également le cours de la Loire à travers la France. Une ville des bords de Loire associée avec Jeanne d'Arc ne peut que nous amener à nous intéresser à la ville d'Orléans. En se documentant sur Orléans, on apprend que la ville de la Nouvelle-Orléans a tenu à se doter d'une statue équestre de Jeanne d'Arc. On y trouve actuellement la même statue équestre de Jeanne d'Arc que celle de la place des Pyramides à Paris. Ces deux statues de Jeanne d'Arc ont été réalisées par Emmanuel Frémier. La 470, énigme riche, mais qui s'est bien trouvée sous le signe du R, Roland Roncevaux, comme nous l'avait indiqué la 530. Marchant.